Ludovic Onana, c'est mon premier fils. Sur les 9 enfants, alors, il était un homme très représentatif pour moi. Je me suis dit qu'après moi, c'est lui. C'est ce que je lui disais, qu'après moi, c'est toi. Et je lui ai mis derrière et devant toute cette famille. J'ai dit 9 enfants. Je lui ai confié toute la responsabilité. Parce qu'il était d'abord un gars responsable. Quelqu'un qui ne m'avardait pas. Quelqu'un qui ne se fâchait pas. Tu ne savais pas quand tu étais fâché. C'est mon premier enfant. C'est avec trop de regrets. D'être devant la photo de Onana, que c'est moi qui l'enterre, je ne pouvais pas le croire. Jusqu'à présent, je ne peux même pas l'accepter. Mais comme c'est évident, c'est quelqu'un qui a été tout pour moi. Même ses petits frères disent que le pilier de la famille a été bon. Il était tout pour moi. Ma confiance a été totale. Il m'a fait comprendre qu'il avait le palu depuis 2 semaines aujourd'hui. Et ma femme allait lui faire le traitement indigène. Alors j'ai dit, ma femme était à la mission. Au retour, il m'a fait comprendre qu'elle a trouvé Onana bien fatigué. Elle l'a amené à l'hôpital central et on l'a interné. Et quand je me suis décidé de venir ici, on m'a dit qu'on a besoin de personnes ici. Il n'y a pas de visiteurs. C'est là où je me suis dit que mais c'est comment? On internait quelqu'un quand il n'est pas en garde malade. Est-ce que c'est normal? Et curieusement, dimanche, il a appelé dimanche, dans l'après-midi, vers 11h, il a appelé que ça va déjà un peu. Donc je me suis dit ok. Mais curieusement, lundi matin à 6h, on m'appelle. On me dit qu'on en a mal dormi. C'est comment il a mal dormi, comment? C'est en cours de route pour quitter de Mankomo. Comme me dit en tour que non, ça ne tient pas, c'est mauvais. C'est mauvais comment? On me dit qu'on n'en est plus avec nous. Moi j'arrivais ici avec ma femme. Ma femme était déjà nue. RTS. Ludovic Onana, profitons du week-end qui a commencé, n'oublions pas aussi les morts de la semaine. Et bon voilà, ciao, salut.